Alors, ceci corrige maintenant l'exercice de révision Windows Internet, le 4 et le 5, donc la localisation, le plan le campus de la plaine, enfin, la localisation, et l'itinéraire Bruxelles-Framerie. Alors, comme j'ai pris la précaution de garder ces deux onglets précédemment ouverts, ils sont là, donc j'ai encore le Google Maps avec la petite punaise rouge sur l'ULB. Donc ça m'arrange, pas sur le campus de la Plaine. Donc je n'aurai qu'à faire un claque-copier. Pour rappel, convention de langage, le claque, c'est le clic sur le bouton droit de la souris. Et je vais dans ma boîte de réception et là, je tape. Donc cliquez ici pour voir la carte. Voilà. Limite, je prépare déjà le cliquer ici pour voir l'itinéraire. Comme ça, c'est déjà réglé. Ici, pour voir l'itinéraire. A l'avantage de me permettre de juste sélectionner donc mon texte et d'ensuite aller dans insérer un lien, c'est une petite astuce qui me permet de déjà remplir la zone du texte à afficher. Et là, je n'ai plus qu'à coller pour la carte. En tout cas, c'est ceci. Je ne vais pas tester le lien, je l'ai déjà montré. Et je clique sur insérer. Et quant à l'itinéraire, ben, je suis concentrée, je vais bien sur l'onglet de l'itinéraire cherché dans Google Maps précédemment, en mettant simplement, c'est en fait l'itinéraire en bleu hein, qui sera mis. Si on voulait un autre, on devrait changer et cliquer dessus. En tout cas, celui-là me convient. Et CTRL-C ou bien un claque-copier au choix. On va dans boîte de réception. On a déjà préparé le terrain. Avant de mettre le lien dessus, je vais corriger ce C. Donc là, il y a un menu qui s'est ouvert. J'appuie sur Escape au cas où ça arrive. Je vais mettre un C majuscule. Je vais faire un cliquer, glisser. Souvent de la droite vers la gauche, ça va mieux. C'est enfin une petite astuce aussi. Je clique sur insérer un lien, le texte est déjà rempli et je n'ai plus qu'à coller et insérer mon lien. Ça fait plus propre. Donc ça clôture le 4 et le 5 de la partie 3 de Gmail.